SWAT, c'est une unité qui gagne, qui fait partie du programme prioritaire plan développement de la police là. Donc il y a un plan développement 2012-2016 là. Et ensemble, pas même dans la question de ni formation ni matériel, non, de disposition qui prend dans plusieurs CSPN qui fait déjà pour renforcer SWAT là. Et Premier ministre, non, c'est vraiment chef vraiment qui dit ça, parce que lui-même a besoin. Donc je dis à l'élan de ces fêtes, soit il n'est pas capable de déplacer malgré tout ça qu'il a pour le faire. Donc il est obligé, il n'est pas prévoir ça, mais il est obligé de fourrer lui, de rentrer visite ça. Je dis à un programme pour le venir avec nous, pour le faire un petit parler avec nous. Parce que ça est extrêmement important pour nous. Ça montre que vraiment nous pas pour contre nous et que nous avons des yeux sur nous et le gouvernement a un projet pour nous. Et en particulier le président CSPN. Un PM, donc je dis à la ou devant l'équipe et ti monsieur que vous toujours demandez pour vous, vous toujours intéressé avec là. Donc c'est l'occasion pour échanger deux mois avant PM. Donc moi je remercie tout monsieur. Merci à Bill DG. Et j'ai déjà dit monsieur de nos bonnes fêtes. Son plaisir ou honneur avec nous aujourd'hui pour faire soit là. Détenu à assister. Bon, c'est un jour important pour nous. Nous connaissons que nous avons fait un travail dans la police en général, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de motivation, que ce soit en termes de structuration, que ce soit en termes de construction. Donc, nous connaissons que soit là, lui-même, il y a un petit problème, mais nous avons privé sur nous. J'en ai déjà dit, nous avons un plan de développement 1 et 2, nous avons un plan d'expansion tout, pour l'unité A. Un plan d'expansion, un plan de restructuration même, un plan de redynamisation pour nous battre nos motivations, besoin. Nous connaissons que les problèmes de motivation. Nous avons une solution à la fois. Parce que là nous venons à nous mettre toute qualité de problèmes qui sont capables d'exister sur la terre, nous venons mieux. Mais nous avons géré. Nous avons une là, c'est bon que soit là des problèmes spécifiques, nous avons avec des solutions spécifiques. Tout. Et des camions commandés pour nous, des camions blindés commandés. Pour que, parce que quand nous avons un problème, nous avons un caoutchouc, un problème inconditionnel, nous avons un problème, un chien, un nouveau. Les camions tout neufs qui viennent pour nous, que nous avons des vies sur route. Et bien l'autre bagaille, nous avons que là, son base qui a un problème, que nous avons des vies sur les camions, nous avons des vies sur les structures là, avec nous, pour le café. Bon, dans le cadre de renforcement de sécurité dans le pays, il est important. Je dis à ces fêtes soit. Donc, nous devons venir. Et premièrement, il y a tout support et gouvernement et CSPN. Bon, là, en tant que président CSPN, tout. Nous venons pour nous la police là, en général, tout support. Et je dis à ces jours soit. Donc, nous devons avec eux pour nous capables et qui support nous capables. Un, deux, et qui ça a besoin en termes de matériel. Trois, et. Bah, toute solidarité moi-même personnel, solidarité président, solidarité gouvernement pour être capable de continuer à faire travail. Nous connaissons une unité d'élite que les unités tactiques très importantes dans la police là. Donc il est important que pour dirigeants tout printemps pour venir faire un petit parler avec soit de la pour être capable bah le maximum de support et plus bourrade pour que le travail soit fait de manière correcte. Donc sous point ça et tout indicateur sécurité yo a améliorer kidnapping yo en baisse, crime violent yo en baisse, ou est que kounya la et nous commence à mettre en pile contrôle dans la rue. Donc tout ça grâce à directeur général de la police qui a fait un excellent travail, félicite au DG et tout commandement la police là qui met ensemble pour couper insécurité, pour couper zinglendo avec bandi. Nous pas voulez que bandi yo joine côté pour opérer parce que nous même nous gagne volonté politique pour nous transformer pays là. Et volonté politique, ça, les transformer non seulement le pays, mais la question sécurité dans le pays, qui est un point qui est plus important pour les Haïtiens. Donc la police, là, c'est ce qui a la sécurité. Donc le gouvernement a marché avec la police là, pour que le peuple ait une bonne sécurité. Nous croyons que aujourd'hui, c'est un jour spécial et aujourd'hui, c'est une grosse démonstration
Donc ça montre que l'autorité pays, la plus grande autorité, président du Conseil supérieur de police nationale là, et premier ministre pays, il est déplacé pour venir visiter SWAT là dans l'occasion anniversaire. Donc ça montre que nous ne sommes pas pour compte nous. Ça montre que nous prenons en charge. Donc gagnons un yeux sérieux sous la police, un encadrement sérieux sous la police là. Donc ça a pas encouragé monsieur. Bon, c'est que Jean Okondi a PM n'a saute pas là avec nous là, c'est président Conseil supérieur police là, de programme que le gagnent, tout plan que le gagnent pour renforcer unité spécialisée, pour renforcer police nationale là et lui montrer ça déjà à travers toute disposition que le gagnent prend. Donc on série de étapes qui est franchi dans renforcement ça. Donc nous apprécier ça. Donc ça représente pour nous un gros sérum qui pourra le faire que nous travaillons plus bien toujours pour sécurité pays.